Hello tout le monde, c'est Lélé. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur Will You Press the Button, je sais pas comment vous dites ça. Alors là, je voulais juste vous expliquer un truc. Donc j'ai vraiment remarqué que Dreamfall c'était vraiment plus possible à filmer. Je bug trop, c'est horrible. Et puis je pense que ça doit pas trop vous plaire, moi non plus, je commence à vraiment. Du coup, Dreamfall, je vais laisser tomber. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Mais en attendant que je trouve un autre jeu, si jamais vous avez des propositions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je vais jouer à des petits jeux que presque tous les youtubeurs ont déjà fait. Bon, je suis désolée, mais. Voilà. Donc, du coup, on va commencer. Donc, Will You Press the Button. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons. On gagne quelque chose. Mais il y a un autre truc qui se passe. Et si on est d'accord, on appuie sur le bouton. Si on n'est pas d'accord, eh ben, on fait I will not. Alors, il n'y a plus de faim et d'esclavagisme dans le monde, non? Il n'y a plus de faim et d'esclavage dans le monde, mais tout le monde s'en fout. Bah ok, moi je presse le bouton. Pourquoi il y a des poneys? Il y a des poneys qui passent sur mon truc. Okay. 87% ont appuyé sur le bouton, 13% n'ont pas. Il y a beaucoup plus de qualité de vie, donc vous êtes plus intelligent, vous avez plus d'énergie, de passion pour les choses que vous aimez, etc. Mais vous allez vivre une demi-durée de vie plus courte. Non. Non. 47% ont pressé le bouton et 50% ne l'ont pas fait. Vous obtenez 1 $ chaque fois que vous clignez des yeux. Mais chaque fois que vous clignez des yeux, vous obtenez une douleur vraiment forte dans votre œil. Vous allez aveugle pendant 10 secondes. Bah, le souci, c'est que tu es obligé de cligner des yeux tout le temps. Donc, du coup, tu aurais mal tout le temps, en fait. Et tu serais aveugle pendant tout le temps, en fait. Donc, du coup, non. 27% ont pressé le bouton et 73% l'ont pas fait. You get the most beautiful voice in earth. Donc, tu obtiens la plus belle voix du monde. Et tu deviens diff. C'est quoi diff? Et vous devenez sourd. Alors, ça. Non, je peux pas devenir sourd. Non. Ah, pas beaucoup qui l'ont fait. Tu vas devenir la star de ta propre musique vidéo. What? Vous allez jouer dans votre propre vidéo de musique, mais vous devez être nu dans la vidéo et vous allez être haï pour cela. Ouais. Tu seras nu dans la vidéo et tu vas être détesté par ça. Je me mets jamais nu dans une vidéo, t'es fou toi. 69% l'ont pas fait. Vos proches ne connaissent jamais la douleur, mais vous rencontrez pour eux. Ah, mais vous l'avez pour eux. Ouais, je vais appuyer parce que voilà, la famille c'est important. Mais nique toi. Oui. 23% ont pressé le bouton. Et vos factures par d'autres personnes pour toujours. Mais toujours avoir 10 clochards à proximité de votre lieu de résidence. Bah oui. Bah les couilles d'avoir 10 clochards à proximité. On bat les couilles. 9% ont pressé le bouton. Vous pouvez tuer quelqu'un dans le monde que vous voulez par la pensée. Mais après, vous mourrez, vous partagerez un au-delà avec tout le monde que vous avez tué. Non, jamais. De toute façon, je vois pas pourquoi je tuerais des gens. C'est débile. Tu peux avoir n'importe quel super pouvoir. Mais tout le monde pense que tu es un démon. On bat les couilles. Je suis un démon si tu veux. Je veux des super pouvoirs, c'est trop cool. Mais appuie dessus! 70% ont pressé le bouton. Les jeux vidéo reviennent à la qualité qu'ils étaient dans les années 90 et toutes les avancées technologiques actuelles resteront en place.
mais vous perdez l'intérêt dans les jeux vidéo complètement. Mais c'est débile. Non. Sinon, je joue plus aux jeux vidéo, c'est nul. Y'a pas beaucoup qui sont pressés. En tout cas, c'est assez drôle, tu sais, quand on ne sait pas trop quoi faire. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous voulez voir sur la chaîne, quel jeu vous voulez voir et tout. Ça ne me dérangerait pas. Donc en tout cas, d'ici là, prenez soin de vous. Et puis, j'espère que la nouvelle intro vous plaît. Bisous, bye bye.